اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Le deuxième pilier de la pratique musulmane est la prière, As-salat. Le prophète alayhi wa sallam, nous dit que l'islam est édifié sur cinq piliers. Le premier, c'est l'attestation de la foi, et le deuxième, c'est la salat, ce qu'on qu peut traduire par la prière canonique. Allah a demandé à chaque musulman de prier, de prier cinq fois par jour. Il a considéré cette action de prière le lien permanent avec lui, subhanahu wa ta'ala. Allah nous demande de se rappeler de lui. Il dit, subhanahu wa ta'ala, « Fais la prière, prie pour m'avoir dans ton esprit, pour te rappeler de moi. » et C'est pour ça que la prière, c'est l'acte le plus important dans la vie d'un musulman. La prière, c'est le thermomètre qui définit le degré de la foi le degré de ta relation avec allah subhanahu wa taala si tu soins ta prière si tu pries régulièrement comme allah te le demande tu soins ta prière tu fais les prières à l'heure et tu te prépares pour prier si tu donnes de l'importance à la prière sache que ta vie va se réformer sache que allah subhanahu wa taala te donne une grande bénédiction dans la vie sache que tu vas retrouver ton équilibre la prière c'est l'équilibre allah subhanahu wa taala a créé l'homme il a créé le corps, il a créé l'esprit. Le corps doit se nourrir pour se, et se soigner et pour grandir, pour évoluer. Ben, l'esprit aussi. L'âme aussi a besoin de nourriture. Et sache que la nourriture de l'âme est bien la prière, la qu'Allah nous a demandé de faire. La prière, c'est des moments de repos, des moments de dialogue, d'intimité avec son Seigneur et son Créateur. Tu te reposes. Tu prends soin de ton cœur, tu t'adresses à ton Seigneur, te, tu dialogues avec lui. Le prophète alayhi wa sallam, nous dit, celui qui veut dialoguer avec Dieu, celui qui veut parler à Dieu, il prie, il doit prier. Et celui qui veut que Dieu lui parle, il lit la parole de Dieu, il lit Al-Koran al-Karim. Sachez mes frères et sœurs que la prière est la, la première chose sur laquelle Dieu te posera des questions le jour du jugement dernier quand tu seras seul, quand je serai seul devant Dieu, la première chose sur laquelle Dieu nous posera des questions, c'est la prière. Est-ce que tu as fait ta prière déjà Est-ce que tu as donné de l'importance à la prière Les cinq prières que Dieu nous a demandé de faire par nuit et par jour. Et si tu as fait ta prière correctement, si tu as soigné ta prière, si tu as pris le, le soin de, de prier correctement, généralement, tout le reste des actes, ça serait des actes acceptés par Allah. Subhanahu wa Mais si tu as négligé le premier, le deuxième pilier de l'islam, le premier acte d'adoration qui est la prière, généralement le reste est négligé. <mère> Celui dont la prière est bien faite, généralement le reste des œuvres est bien fait. Celui dont la prière est mal faite, généralement le reste des choses sont mal faites. Et la prière, pour nous, c'est une protection. Une protection contre le blâmable, contre les dérives. Celui qui prend soin de sa prière, il prend soin de son cœur, il prend soin de son corps, il prend soin de son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, la prière peut être dans un premier temps, quand on est débutant, on a Elle a l'air d'être une tâche difficile, cinq fois par jour. Mais c'est nécessaire pour nous. On ne peut pas avancer dans la vie. On ne peut pas avancer comme ça dans la vie sans faire des pauses spirituelles. Une journée. Allah nous a donné complètement une journée de 24 heures. Et il nous demande, par, par miséricorde pour nous, il nous demande de lui consacrer les cinq prières. Ça prend peut-être une heure par jour. On va dire au maximum une heure par jour. Que représente une heure par jour sur 24 Allah nous a donné 24 heures et il nous demande de lui consacrer 5 minutes le matin, 5 minutes après le début de l'après-midi, 5 minutes au milieu de l'après-midi, 5 minutes quand le soleil se couche, et 5 minutes quand la nuit s'installe, la prière de l'échec. Et donc ces 5 prières ont été à l'origine prescrites 50 prières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par miséricorde a demandé à Dieu d'alléger. Vous imaginez que si Allah nous avait demandé de faire 50 prières, comment on peut accueillir cette obligation Allah, dans sa gentillesse, dans sa miséricorde, il nous a, il nous a demandé de faire 5 prières, mais la récompense reste la même. Chaque prière compte pour 10 prières. Donc, j'insiste beaucoup, mes frères et sœurs, la prière, la prière, la prière. D'ailleurs, le Prophète alayhi wa sallam, nous a demandé de prendre soin de sa prière juste avant de, de mourir. C'était parmi les choses que le Prophète alayhi wa sallam, nous a demandé de, de soigner. Le thermomètre de votre foi. Le thermomètre de votre pratique, c'est la prière. Si vous soignez votre prière, toute votre vie va se réformer. Vous allez avancer correctement vers Dieu. Mais si avec le temps, vous n'arrivez pas à prendre soin de votre prière, c'est-à-dire que vous êtes dans un chemin, Glissant, vous êtes dans, dans une zone de danger. Et le musulman se reconnaît des, des, des non-musulmans par le respect et par l'importance qu'il donne à la prière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa